Hello les amis, j'aimerais revenir en fait sur un point de la vidéo de cet après-midi que j'ai fait. Quand je vous ai dit que le bitcoin en fait ne suivait pas euh, les trend lines en, en analyse technique, mais plutôt en fait les ranges. Euh, donc je peux vous montrer. Voilà. Donc. Les ranges, en fait, euh, ce sont les, les lignes jaunes que je mets et qui euh, sont des, 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 on va dire des, des supports ou des résistances qui ont marché dans le passé. C'est-à-dire où il y a eu plusieurs, euh, où le prix a buté, où le prix a rebondi. Et, et en fait, le Bitcoin réagit mieux aux ranges euh, qu'aux qu trend Alors, pour ça, il est intéressant de savoir en fait, qui achète et qui vend le bitcoin. pour euh, pour savoir justement à peu près, ben voilà. comment expliquer ce euh, faire en analyse technique? alors, faut, faut d'abord savoir que le bitcoin, c'est la crypto le plus tradée au monde. c'est la, la crypto qui a la market cap la plus grosse, donc la plus liquide. et c'est la crypto qui est le plus tradée par les whales et les professionnels. Alors, faut, il faut juste savoir en fait que les, euh, les whales ou euh, les professionnels euh, ont beaucoup euh, d'argent et beaucoup de, euh, de cartouches pour euh, acheter et vendre justement euh, des grosses positions. Et comme le, bah, le bitcoin a quand même une market cap qui est, qui est assez basse comparée à toutes les autres classes d'actifs, eh ben... en fait, euh, un petit une petite variation de cours euh, pourrait euh, bah, pourrait euh, comment dire, exacerber euh, les cours bah, parce que euh, il, faudrait, il faut pas forcément une grosse somme pour faire bouger le marché donc c'est pour ça que le bitcoin reste euh, une des plus euh, petites classes d'actifs donc euh, facilement manipulable donc voilà pourquoi en fait les euh, les et les professionnels traite euh, surtout sur le bitcoin c'est parce que justement ils peuvent acheter euh, des grosses positions ou vendre des grosses positions sans sans, fa sans trop faire bouger le, le marché parce que eux quand ils, ils veulent vendre en masse ils doivent minimiser euh, justement le, le, le prix ils peuvent pas se permettre de commencer à vendre je sais pas à 28 000 et puis finir de vendre à 23 000 euh, donc voilà ils ont besoin d'un certain volume alors, qui achète et qui vend Alors, moi, pour moi, j'ai quatre catégories. Donc, la première catégorie, ce sont justement les whales. Euh, donc, c'est ceux qui ont euh, beaucoup d'argent à investir, justement, dans le bitcoin. C'est par exemple Michael Seller à travers MicroStrategy ou c'est Elon Musk à travers euh, Tesla. Et oh, je... Il y a deux sous-catégories en fait euh, de whales. Il y a ceux qui, euh, qui hold, euh, donc ils achètent, mais ne vendra pas forcément euh, régulièrement, voire pas du tout. Ou, euh, bon, ça, c'est l'extrême. Et il y a les, les whales qui euh, achètent et euh, qui, qui revendent pour faire un bénéfice. Mais en général, les whales ont plutôt tendance à accumuler euh, sur des prix euh, un peu planchés donc ils accumulent, ils achètent, ils achètent, ils achètent. Et une fois que le marché euh, monte, eh ben, euh, ils vont commencer à un certain moment euh, à vendre par petites positions. Et en fait, ils, ils vont vendre euh, sur le... Bah, tout en haut en fait, du, du chemin haussier du, euh, du Bitcoin. Donc en fait, les, euh, ce genre de whales euh, vendent par cycle, achètent et vendent par cycle. La deuxième catégorie, ce sont les, moi ce que je mets dans les professionnels, ce sont les banques, ce sont les fonds d'investissement, euh, les hedge funds euh, traditionnels ou crypto, et eux en fait, euh, ils achètent et ils vendent euh, évidemment pour faire le maximum de profit. Donc ils vont acheter et revendre euh, de manière euh, beaucoup plus euh, soutenue et, et beaucoup plus euh, euh, fournie. Donc les professionnels en fait utilisent euh, l'analyse technique euh, vraiment à la lettre donc ils, euh, ils vont vraiment euh, utiliser les ranges un petit peu moins les trend lines ils vont utiliser des patterns comme par exemple euh, euh, la pattern de Winkoff qui est la, la pattern de distribution des whales sur les retails et ils vont euh, multiplier en fait les transactions pour euh, faire euh, mmh. le maximum le maximum d'opérations mais pas forcément avec euh, des grosses performances. Ils vont privilégier les, euh, les, les, petits, les, les petites performances, 1, 2, 3%, mais avec des gros montants. Euh, la troisième catégorie, ce sont les mineurs. Alors, en général, les mineurs, euh, ils n'achètent euh, pas, donc euh, ils minent du Bitcoin et ils reçoivent les Bitcoins euh, en compensation. Alors, ils peuvent les vendre euh, quand ils ont besoin c'est-à-dire euh, périodiquement, euh, quand ils ont besoin de, de couvrir leurs frais, donc euh, les employés, l'électricité, voilà. Mais en général, ils ont tendance justement aussi à en, à en garder euh, quand ils pensent que le prix est bas et euh, ils les gardent, euh, s'ils peuvent les garder, euh, s'ils euh, n'ont pas trop de frais, euh, bah, ils peuvent les, euh, les garder et les revendre euh, quand, bah, quand le prix sera, sera meilleur. La, la dernière catégorie, bah, c'est l'hérité, là, c'est vous, c'est moi, c'est votre voisin, euh, c'est votre famille, votre père, votre mère, c'est le frère qui vous avait dit ah le bitcoin c'est génial. Et c'est moi aussi. Donc en général, euh, pour moi, enfin l'hérité, je vais plutôt le mettre euh, sur la catégorie de ceux qui, euh, qui, qui, font, qui font pas d'analyse technique. Donc je vais peut-être pas forcément me mettre dedans. Euh, mais c'est ceux qui, euh, qui, a, qui arrivent en plein FOMO. Hein. Euh, ils arrivent quand il y a eu euh, plusieurs euh, bougies vertes de plusieurs pourcents euh, sur euh, quelques jours, sur une ou deux semaines. Donc en fait, euh, ils voient que, que le prix euh, euh, est en train de monter et ils achètent alors que le prix a déjà pas mal monté. Et voilà, et, euh, et ils vendent, euh, c'est bien connu. Euh dans la panique, euh, parce qu'un retail, il est capable euh, de voir, euh, de garder une position en Bitcoin euh, sur 20 ou 25%, mais par contre, euh, dès qu'il y a 3% euh, de pullback, euh, il panique et il vend. À savoir que les retails, euh, donc la masse, euh, c'est ce qui fait justement euh, vivre les whales, parce que les whales en général ne, ne, ne vendent pas aux professionnels où les professionnels euh, peuvent vendre aux whales, mais en général, euh, quand, quand les whales et les professionnels ont des grosses positions à vendre, ils n'ont pas d'autre choix que d'attendre que les whales reviennent justement. C'est pour ça que euh, le marché est manipulé dans les médias quand on doit, quand on doit faire venir en fait euh, les retails pour FOMO et ben voilà, on, on a des centaines d'articles qui vont dans ce sens. Donc c'est un marché qui est manipulé pas forcément par le prix mais également aussi euh, par les médias et ça bah, si vous ne l'avez pas compris euh, moi, vous pouvez me croire donc pourquoi pourquoi en fait euh, est-ce que l'analyse le, le, technique du Bitcoin est différente des altcoins et eh ben les je mettrais peut-être pas forcément euh, l'Ether euh, dans, dans ce panier parce que euh, ça pourrait être entre les deux parce que c'est quand même la deuxième plus grosse capi, capitula, capi, market cap, excusez-moi. Donc les les, les ne sont pas forcément traînés par euh, les whales et les et les professionnels. Donc le TA marche beaucoup mieux euh, quand euh, quand elle est appliquée en fait euh, sur la masse. Parce que les professionnels et les whales, ce sont eux qui tradent le plus sur le bitcoin, donc forcément que l'analyse technique va leur ressembler. Et, euh, et quand c'est un marché de masse, ben l'analyse le, le, technique, par exemple les trend lines, marcheront mieux. C'est voilà, uniquement comme ça. Donc Les, les altcoins, euh, elles sont plus euh, en fait, euh, tradées par, euh, par les retail. Euh, ce qui amène en fait euh, l'analyse technique au même niveau que sur les, les actions, euh, par exemple, euh, parce que l'analyse bah, technique marche euh, très bien sur les actions aussi. Et euh, c'est euh, la classe, classe d'actifs euh, voilà, qui est, je crois, après les obligations la, la, plus, euh, la plus tradée par, euh, par les retail. Donc voilà, donc je pensais que c'était bien un petit peu de savoir pourquoi en fait vous ne devez pas euh, utiliser l'analyse technique euh, pour le bitcoin et les altcoins de la même manière. Mais c'est tout un art en fait d'apprendre l'analyse technique que pour le bitcoin et d'apprendre en fait l'analyse technique pour les altcoins. Et euh, évidemment après euh, l'analyse technique euh, peut marcher différemment. Euh, suivant les altcoins parce qu'on a for on a on a forcément par exemple solana qui a cette, uh, est c'est une uh, altcoin mais c'est quand même tradé par euh, des, euh, des professionnels euh, donc de la crypto avec des fonds crypto pas forcément traditionnels mais euh, ce seront toujours euh, des ordres moins grands que le bitcoin donc voilà il faut en fait apprendre euh, bah voilà quelle classe d'actifs quelle crypto monnaie euh, doit être analysé de manière technique et c'est pour ça en fait que les traders euh, aiment bien souvent en fait trader euh, régulièrement les mêmes euh, altcoins ou, euh, justement parce qu'ils les connaissent bien ils savent comment euh, ils réagissent à, à cette analyse technique euh, les traders en fait c'est qui sont aguerris en fait euh, vont rarement euh, changer euh, euh, de altcoin euh, tout le temps parce qu'à chaque fois qu'il rentre dans une nouvelle altcoin, théoriquement, il faudrait un petit peu l'étudier pour être sûr. Donc voilà, voilà c'est un petit peu la complexité de l'analyse technique. Euh, c'est ce que vous devez savoir. Donc c'est pour ça qu'il y, y a des traders en fait, de Bitcoin et il y a des traders d'altcoin. En général, les, enfin, les deux ne se mélangent pas tout le temps. Parce que justement l'analyse la, technique est différente. Alors voilà, j'espère que ça vous a... C'est un, un sujet qui vous a intéressé. Euh, pour moi, c'est ce que je voulais en fait compléter avec euh, cette vidéo que j'ai fait euh, cet après-midi. Ok, ben du coup, euh, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Au revoir.